Salut, je m'appelle Cookie. On dit que je suis le meilleur ami de l'homme car tous les jours je lui donne beaucoup d'amour. Enfin, je te donne beaucoup d'amour. L'infidélité? Je ne connais pas. Tu sais, pour moi, c'est facile d'être fidèle. C'est inscrit dans mes gènes. Sois certain que je te suis loyal depuis le jour de notre rencontre et le serai jusqu'à mon dernier souffle. Quand tu t'absentes, ne serait-ce que 5 minutes, je te fais la fête à ton retour comme si je t'avais pas vu depuis une éternité. Moi, je suis sans jugement de valeur. Peu importe que tu sois bien-né ou rejeté de tous, je serai toujours là pour toi. Tu vois, on dit que dans une relation de couple entre humains, la patience s'éteint au fil du temps. Ben, pas chez moi. Je te chérirai chaque jour comme au premier, jusqu'au dernier battement de mon cœur. Pourtant, si je me rappelle bien, tu m'as arraché à ma famille. Tu ne m'as pas laissé le choix. Tu me l'as imposé. Tu te rappelles de ma première nuit chez toi? Enfin, je devrais dire chez moi, chez nous. Mais ça, c'était avant. Bref, rappelle-toi comme j'étais malheureux, tellement désorienté, loin des miens. Et moi, je l'ai accepté. Aujourd'hui, je t'aime plus que ma propre mère, plus que ma propre vie. Tu es mon monde. Tu es tout ce qui me rend heureux dans cette existence. Mon rôle dans la vie, c'est de te servir du mieux que je le peux, même si parfois j'ai du mal à comprendre ce que tu me demandes. Tu sais, on ne parle pas le même langage, mais moi ça ne me dérange pas. L'important pour moi, c'est juste de grandir et de vieillir auprès de toi. Ainsi, tout au long de ma vie, je veillerai sur toi. Mon but, si tu l'as pas encore compris, c'est de te protéger au péril de ma vie s'il le faut. Oui, je donnerai ma vie pour toi. Oui, je donnerai ma vie pour toi. Pourquoi est-ce que tu veux me quitter? Ai-je commis une faute? Est-ce une erreur d'être né chien esclave de l'homme? D'avoir accepté d'être domestiqué? Pourquoi as-tu tout fait pour m'avoir? En fait, pour toi, je suis quoi? Un simple objet, un jouet qu'on prend, qu'on utilise et qu'on jette une fois qu'on en a marre de s'en soucier? Pourquoi est-ce que tu m'as laissé tomber fou amoureux de toi? C'est pour que ça finisse comme ça. Rappelle-toi à quel point une peine de cœur peut faire mal. Une personne qui t'a donné beaucoup d'amour et que tu aimais peut-être plus que toi-même, qui te lâche jour au lendemain comme ça, sans explication, comme un vulgaire. Ah chien, c'est ça l'expression? Même mon nom d'animal sert d'insulte plus que n'importe quel être vivant sur la planète. J'aimerais que ce soit un gag, mais non, je crois que je n'ai pas de sentiments. Peut-être que je connais aucune émotion, que je suis dénué de conscience. On est d'accord, ta conscience est dans ton cerveau. Eh bien, figure-toi que moi aussi j'en possède un. Peut-être pas aussi gros que le tien, quoique ça ne veut rien dire. Regarde, tu as un plus gros cœur que le mien et pourtant. Et si tu ne le savais pas, depuis 2015, la loi française a déclaré que j'étais doué de sensibilité. Et si tu n'es toujours pas convaincu, je vais te donner une raison toute simple de me croire. Si un jour on te fait du mal physiquement, au début tu vas dire arrête, tu vas exprimer des paroles. Mais dès que la douleur va commencer à s'intensifier, à devenir insoutenable, ton vocabulaire commencera à se raccourcir, à se simplifier, à se transformer de simples cris, des hurlements de douleur, comme moi. Tu vois, au final, on n'est pas si différents. On sait parler le même langage lorsqu'il s'agit de souffrance. Je suis Cookie, je fais partie des centaines de milliers d'animaux abandonnés en France chaque année, soit plus de 15 cookies par heure. Je suis Cookie, un des 100 000 animaux euthanasiés chaque année pour cause d'abandon et de surpopulation dans les refuges. Je suis Cookie, je fais partie de ces êtres qui ne prennent jamais de vacances, hormis lorsque la mort sonne, bien sûr. Souvent, quand tu m'abandonnes, c'est au fond des bois. Par honte, tu ne me laisses aucune chance de m'en sortir, d'être trouvé par quelqu'un. Quoique je viens d'apprendre dans cette vidéo qu'au bord des routes, ce n'était pas mieux. Mais je continue à croire en toi, humain. J'ai l'espoir qu'un jour tu changeras. Je n'en garde aucune rancœur, car je suis comme ça. Alors si un jour tu m'abandonnes, laisse-moi au moins une chance. Dépose-moi dans un refuge, et avant de m'adopter, de m'acheter, réfléchis-y à 10 fois. Je suis un animal comme toi qui grandit et ne reste pas un bébé à vie. Sauf qu'à la différence de toi, j'ai très peu de temps à vivre sur cette planète, 5 à 6 fois moins de temps que toi. Imagine 10 mois de chenil pour moi et qui voit 5 ans de prison pour toi. Si l'on ne m'euthanasie pas avant, bien sûr. Et pour finir, malgré tout ça, je m'appelle Cookie et je suis le meilleur ami de l'homme.